Oh, je suis pas content. Il y a Aurore Berger qui veut nous faire raquer. Ouais, Aurore Berger. Elle veut qu'on paye tous la redevance télé, y compris ceux qui n'ont pas la télévision. Sinon, c'est pas drôle. Premier sujet qui intéresse les Français, c'est la redevance. Ce que vous suggérez, c'est que tout le monde la paye, même si on n'a pas de télé chez soi. Oui, il y a une logique et une cohérence à ce que tout le monde contribue au service public. Bon, après, attention, c'est peut-être une nécessité. Hein, je veux dire, on ne sait pas combien il y a de gens qui la payent, la redevance. Tu sais, toi, ou pas? Hein? Tu sais pas? Bah, tu sais rien, de toute façon. Bah, faut demander Aurore Berger. Combien de Français payent la redevance aujourd'hui? Quelle est la proportion de foyers qui la payent? Elle est très importante parce qu'on a des exceptions qui sont des exceptions. J'ai pas le chiffre exact en tête. Vous ne savez pas combien de foyers français? Non, là, je l'ai pas en tête. Eh ben, je sais pas non plus. Il y a un chiffre. Il y avait un chiffre à réviser avant de se pointer à l'émission, Aurore Berger. Bon, après, Aurore Berger, c'est pas toujours sa faute non plus. Hein. Bah, elle est un peu limitée. Je veux dire, faut pas lui en vouloir. Hein. C'est pas la Madame Irma de la politique non plus. Toujours. Il ne vous aura pas échappé que Gérard Collomb, demain candidat aux élections municipales à Lyon, sera candidat sous la bannière de La République En Marche. Il n'y a pas de rupture entre La République En Marche et Gérard Collomb, pas plus qu'il y en a avec le président de la République. C'est fou, ça. Pourquoi, quelle que soit la majorité, quel que soit le parti politique, il y a toujours une Nadine Morano de service, quoi. Hein? Faut demander à Stéphane Edouard. Ta gueule. Ah non, 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 attends, moi, je veux pas envie d'avoir d'ennui, hein. Christophe Castaner, il est remonté en ce moment. Bah attends, il a défendu Aurore Berger. Il la défendra jusqu'au bout, bec et ongle. Il mettra son corps entre la haine et Aurore. Ah, il l'a dit sur Internet. Il s'en est pris au compte Christophe Castagnette. Ouais, Christophe Castagnette. C'est un compte Twitter qui fait des parodies. Et là, c'est vrai qu'ils ont légèrement redoublé une intervention d'Aurore Berger. Et du coup, Christophe Castagnard, il était dégoûté. Il a dit, marre de tous ces contes d'humoristes, là, un parodico-satirique qui répand de la haine sur les réseaux sociaux, il en appelle à la censure. Il a bien raison, Christophe. Moi, je suis dégoûté de voir tout ce sexisme. Ah si, bah en plus je suis arrivé à l'Elysée, elle était encore là et on nous a fait passer par une porte dérobée, j'ai même pas pu rencontrer Rihanna, mais je trouve que finalement j'aurais été un peu déçu, sa tenue était peut-être un poil trop ample. Bah voilà, c'est toujours le même problème, Christophe, hôpital, charité, tu penses que ton intervention là, macho à deux balles, là, Marlène Schiappa l'a liké? Ben si, remarque, elle l'a peut-être liké parce que Marlène Schiappa, elle a liké le fameux tweet de Christophe Castagnette, en fait. C'est parce qu'elle a pas vu, quoi, la vidéo. Enfin, elle a pas vu la vidéo. Elle a même pas lu parce que Christophe Castagnette, elle a lu Christophe Casta. Elle a liké. Voilà, tapin de service. C'est Marlène, dis-moi, quand tu demandes aux Français de t'envoyer leurs contributions, tout ça, pour faire avancer ton ministère, c'est-à-dire, tu y accordes autant de temps d'études que tu accordes aux comptes que tu vois sur Twitter ou pas? C'est-à-dire, c'est pas très rassurant sur la capacité que vous avez à nous écouter. Donc, du coup, Marlène, quand t'auras 2 minutes, t'en profiteras pour vérifier ce que tu likes, et tu en profiteras aussi pour débloquer le compte que t'as bloqué sur Twitter. Non, pas le mien, ça je me fais une raison. Je veux dire, le collectif pour le droit des femmes, ouais, bah tu l'as bloqué sur Twitter, parce qu'ils ont dit, ouais, Marlène Schiappa, bon, elle fait du bon travail, mais quand même, pour aller un petit peu plus loin, c'est pas suffisant. Comment ça, c'est pas suffisant, bande de 6, bande hétéro, bête sexiste? Et elle les a bloqués. Bon, là aussi, c'est vrai qu'après, Marlène Schiappa, on peut pas lui en vouloir. Elle répond un peu à l'instinct, elle est couverte de gens qui l'agressent en permanence, hein. Surtout à l'Assemblée nationale. En 5 grandes mesures. 1. Une campagne de communication. Nous créons également... Oh, mais écoutez les réponses, c'est des sujets importants. Taisez-vous et écoutez pour une fois. Bah, mais c'est dégueulasse. Mais Marlène, allons, tiens. Mais c'est copyrighté, ta phrase. Taisez-vous. Bah voilà, je veux dire, ça se fait pas de piquer les punchlines à Finky, c'est pas parce que c'est un cis, blanc, hétéro, mâle, sexiste, dominateur qu'il faut se servir. Puis si un jour ton objectif c'est d'arriver à convaincre 2-3 personnes en France que t'es pas hystérique au dernier degré, je suis pas sûr que Finkielkraut soit le meilleur cosplay que tu puisses porter. Non, sans déconner, le gouvernement, quand je vois ce niveau d'incompétence généralisée, vu que vous êtes en plein remaniement en ce moment, ça vous dirait pas d'y aller carrément, quoi? Je veux dire, nommer Aurore Berger au ministère de la Culture et Marlène Schiappa à l'intérieur. Comme ça, au moins, le bateau coule, mais on y va en se marrant. Et puis bon, le gouvernement, le plus important, c'est l'Assemblée nationale, hein, où nous avons heureusement de courageuses points inclusives, députés points inclusives, hein, pour défendre toutes les minorités opprimées qui n'ont pas la chance de pouvoir se défendre et s'exprimer. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé et des Solidarités et concerne la maltraitance enfantine. Madame la Ministre, en mars dernier, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous touche pas, la maltraitance infantine. Continuez, bravo, madame la députée. Bravo.
Claire. Mais Claire, mais je veux dire, c'est ridicule encore. Je veux dire, t'es là une fois dans l'année, c'est pour dire de la merde. Claire. C'est pas enfantine qu'on dit. Je veux dire, ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Mais je sais que c'est cette histoire de gosse qui te préoccupe. Je sais que tu voulais des enfants, moi aussi, mais tu as choisi ta carrière, Claire. Mais je sais que ça te traumatise encore. Mais reviens, Claire, s'il te plaît. Nous pouvons encore avoir des enfants ensemble comme tu le désirais tant. La médecine a fait des progrès. Ou on fera comme Madonna. On ira adopter au Wakanda, comme Marc-Olivier Fogiel. Reviens, Claire, s'il te plaît. Tu me manques. Enfin bon, rassurons-nous, même si le gouvernement et l'Assemblée sont aux fraises, il reste heureusement dans la société civile de courageuses personnalités pour défendre les minorités opprimées, comme Rokhaya Diallo, l'inénarrable Rokhaya Diallo, qui organisera, c'est un peu le point culture de la semaine, une magnifique exposition hein, dédiée à l'art du cheveu africain. C'est absolument fabuleux, je vous invite tous à y aller hein, et à vous gosser hein, de ces magnifiques représentations picturales et puis à disserter sur le racisme systémique entre deux petits fours. Oui, vous le savez, Rokhaya Diallo, hein, c'est cette théoricienne en France du racisme d'État. C'est-à-dire qu'elle défend l'idée selon laquelle l'État français mettrait ouvertement en place une politique visant à empêcher aux minorités, particulièrement issues du continent africain, d'accéder hein, à la réussite socio-professionnelle et à l'intégration au sein de la société. Mais par contre, il y a une petite question, Rokhaya, parce que tu passes ton temps à nous dire « Oui, l'État, il est raciste, il oppresse les Noirs et tout, mais tes conférences à la con, là, tu les organises avec le pognon de l'État, justement, parce que là, ton expo, elle est financée par la mairie de la Seine-Saint-Denis. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Rokhaya? Je croyais que l'État, il était raciste, mais pourtant, il donne de l'argent à Rokhaya. Qu'est-ce qui est, hein? C'est bien, ça. La langue française, hein, terriblement oppressive, nous avait appris que l'argent n'avait pas d'odeur, mais grâce à Rokhaya Diallo, nous savons maintenant qu'il n'a pas de couleur. Sandek, Rokhaya, ça va commencer à se voir, l'escroquerie. Et c'est en tant que personne racisée que je te parle. On en a marre d'être représenté par toi, quoi. Hein? Comment ça, je suis pas racisé? Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que je suis pas racisé? Oh! Ah non, 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 non! Parce que, attends, on va mettre les points au clair, là, toute l'équipe, là, qui me traite de cis, blanc, hétéro, mâle, sexiste, dominateur. Si l'autre débile, là... Ben non, je suis à moitié libanais. Voilà, lui. Donc si lui, là, il est pas blanc parce qu'il est à moitié libanais... moi, je suis trois quarts arménien. On est bel et bien d'accord. Il n'y a aucune différence factuelle entre les deux pays. Hein. Je veux dire, personne ne fait la différence. Moi, le premier, c'est la même bouffe, c'est la même religion, c'est quasiment la même culture. La moitié de l'équipe A a des papiers de l'équipe B. La moitié de l'équipe B vit dans le pays de l'équipe A. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Donc, si lui, là, avec sa gueule de Babtou, lui, il n'est pas blanc, moi, là, moi, je suis congolais et je m'appelle Corinne. On est clair? Donc voilà, je suis un fier représentant de la communauté arménienne. Hein, donc, un Macron. Ouais, je dis ça parce que Macron, il était à Erevan. Bah oui, il s'est pointé à Erevan, hein, la capitale de l'Arménie, pour ceux qui savent pas. Parce que c'est vrai que personne ne sait. Hein, dans lequel il a profité, bien évidemment, pour rendre un brillant hommage hein, à Charles Aznavour. Charles qu'il aimait tant. Charles, son ami. Charles pour qui il a organisé quand même hein, une commémoration nationale. Hein, alors que la famille de Charles Aznavour, elle avait demandé à Emmanuel Macron de ne pas en organiser, justement. Non mais vous, la famille de Charles Aznavour, vous êtes culottés vous... Alors, c'est Jupiter 1er, s'il aime Charles Aznavour, vous n'allez pas l'empêcher de montrer à tous les Français sa passion pour la récup pour Charles Aznavour. Ah non, 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 c'est une passion sincère. Emmanuel Macron, il nous a dit quelles étaient ses trois chansons préférées de Charles Aznavour. On l'écoute. Je me voyais déjà. Je me voyais déjà. Ouais. T'aurais peut-être pu choisir autre chose, parce que là, dans le genre chanson qui traite du narcissisme individuel et la volonté de réussir à tout prix, c'est vrai qu'elle te va bien, mais c'est un peu osé de l'avoir choisi. Je vous parle d'un temps. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en 7, c'est vrai, c'était joli. Bah, c'était avant que toi et tous tes potes banquiers vous foutiez la main sur le pays, en fait. Hein, il se fout un peu de notre gueule dans le choix des chansons, ou c'est moi? J'habite seul avec maman. T'as choisi celle-là? J'habite seul avec maman? Hein? Pourquoi ça me fait marrer? Bah... Je m'en fous. À Marseille. Non, chérie, le rythme que je t'ai donné ce matin, tout le monde le cherche.
Ben voilà, pour ce caca, je veux dire, même en public maintenant, Brigitte, elle te met des déculottés. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse, hein, pas véritablement humoristique pour le coup, parce que, alors certes, c'est peut-être mon sentiment communautaire qui parle un petit peu, et Dieu sait que je n'en ai pas beaucoup, mais je voudrais dire cordialement à Nathalie Mazet d'aller se faire foutre. Oui, Nathalie Mazet, journaliste payée par nos impôts, hein, donc sur le service public, qui a tweeté quelques minutes ou quelques heures, je sais plus, juste après la mort de Charles Aznavour. Aznavour, sexiste, raciste, de droite, bon débarras. Voilà. Donc, bah là, vous avez son Twitter, si on est, quoi, 150 000 sur la chaîne, si on a, alors, je sais pas, 30, 40 000, qui aurait envie, je sais pas, 15, 20, 30 fois par jour d'aller lui expliquer sur Internet en quoi c'est une connasse, surtout ne vous gênez pas. Ou alors d'envoyer quelques mails à France Info pour que, si c'est possible, notre pognon ne serve plus à subventionner et à payer le salaire d'individus comme ça. Alors, je suis pas fondamentalement opposé à la pluralité politique sur la télévision française, enfin, j'y suis complètement favorable, même si je pense qu'elle n'arrivera jamais, mais j'ai un certain niveau de gauchisme, quand ça devient à ce point-là odieux et infamant, je pense que ça mérite qu'on se prenne un minimum en main, au moins pour que cette femme dégage. J'en profite également pour rappeler à cette sombre connasse que Charles Aznavour est l'un des chanteurs français à avoir écrit les plus beaux textes, hein, sur le droit des femmes, justement, la fraternité et le vivre ensemble. Enfin bon, que l'on se rassure, hein, Charles est peut-être parti, mais il nous reste heureusement de brillants artistes français pour prendre la relève. Acné en bon point, appareil dentaire, mais comment Kev Adams a-t-il fait pour devenir le Tom Cruise français? Poula! Ah! Ah, je me suis vomi dans la bouche. Tom Cruise français? Alors, déjà, ça m'a fait marrer. C'est peut-être la première fois que Kev Adams me fait marrer, mais bon, là, ça compte peut-être pas, parce que c'est pas de lui. C'est moi où il y a vraiment un côté fin du monde, fin de civilisation en ce moment? Ah non, non, effectivement, ça, c'est pas moi. Bon, allez, on va quand même se rassurer en se disant qu'on a peut-être plus d'artistes, mais on a peut-être encore des hommes de gauche, voilà, à l'image de Benoît Hamon, qui est lui aussi de retour, hein, puisqu'il a décidé d'aller partager le pain avec les migrants. Benoît. Non, mais là, ça devient ridicule. Mais non, mais parce que c'est... Je sais qu'il y a besoin d'un miracle pour te sauver, mais c'est pas en recopiant la vie du Christ que ça va donner quelque chose. Je veux dire, ça rime à rien, partager le pain, ça va... Qu'est-ce que tu fous, mon de Dieu? Je veux dire, c'est quoi la prochaine étape? Tu vas aller voir les prostituées pour... Ah non, 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 va pas voir les prostituées, parce que c'est peut-être un des seuls trucs qu'on peut te reconnaître, c'est que t'as un rapport aux bonnes femmes qui est à peu près sain. Hein? Comment ça, c'est pas grand-chose? Il est socialiste, je suis désolé, c'est quasiment déjà un miracle en soi. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, il y a quelque temps, notre président Emmanuel Macron avait été très critiqué pour avoir nommé, justement, une amie proche de Brigitte Le Trogneux, enfin, de Brigitte Macron, hein, traduction, à un poste de recteur, hein, et donc, justement, les gens avaient dit que c'était du favoritisme. Rassurez-vous, Emmanuel Macron a écouté les Français et a décidé de changer les règles de nomination au rectorat, justement, pour placer au rectorat de Paris une amie à lui. Bah quoi? Bah attends, je veux dire, avant, il faisait ça dans l'illégalité. Bah maintenant, c'est légal, voilà. C'est important, l'état de droit. Je suis pas content.